L'ouragan se déchaînait ce soir-là sur la lande. Un vent aigre qui venait du large jetait son haleine glacée sur la terre couverte d'une herbe rase. Seuls les tamaris pliaient sous la bise, en geignant comme âmes en peine. À quelques pieds de la falaise, la mer à marée haute butait à grands coups de bélier sur les rochers noirs qui marquaient l'entrée d'une plage de sable fin. Comme drapée dans le velours d'une aile de chauve-souris, une ombre frêle avançait péniblement sur la grève, presque celle d'un enfant. Yann s'en allait chercher fortune ailleurs, passant de ferme en ferme pour demander sa maigre pitance en échange de quelques menus services. La claque puissante du vent s'abattait sur lui et il luttait, il se courbait pour n'être pas renversé. 20 fois, le souffle coupé par un tourbillon plus violent, il faillit revenir sur ses pas. Non, il n'allait pas renoncer parce que la nuit se faisait de plus en plus menaçante. Réprimant un frisson qu'il s'empressa de mettre sur le compte de la fraîcheur de cette soirée d'hiver, Yann poursuivit sa route. Afin de ne pas laisser 1000 pensées effrayantes envahir son esprit tourmenté, il tenta de fixer son attention sur quelque chose de rassurant ou de familier. D'un geste nerveux, il chercha dans la poche de sa houppelande le coquillage dont il ne se séparait jamais. Il se mit à le serrer de toutes ses forces, puis joua pendant quelques instants avec le bouton qui fermait son habit. Allons, quand on a 16 ans, on n'est plus un enfant et on fait fi des légendes qui hantent cette terre d'eau et de sel que le vent harcèle et ronge sans repos. Il faut tellement peu pour que naisse une légende. Une touffe d'herbe qui roule sur le sable, un froissement d'ailes dans la pénombre, les yeux d'un animal furtif qui luise entre deux brisants. Ici, on dit que la lande est traîtresse, qu'on s'y égare facilement les nuits sans lune. Et Yann sait bien, pour l'avoir parcourue tant de fois sous le soleil, qu'elle ouvre sur une falaise haute comme une cathédrale. On dit aussi que les soirs de grand vent, un étrange cavalier drapé de noir, dont nul n'a jamais vu le visage, traverse la plage en poussant des cris d'un autre monde. Il vient de la mer, monté sur un cheval noir dont les yeux étincellent comme deux brasiers. Alors les gens du pays se terrent chez eux, se serrent autour de l'âtre, parlent plus haut, comme pour couvrir les cris qui montent de la plage. Ces soirs-là, personne ne sort. Depuis la nuit des temps, les gens d'ici redoutent de rencontrer le cavalier qui vient de la mer. Il annonce le malheur. Yann sentait tous ces souvenirs qu'il croyait enfouis au fond de sa mémoire l'envahir peu à peu. Il avait l'impression qu'une sorte de tension quasi insupportable emplissait l'atmosphère. Et à ce sentiment de malaise succéda bientôt l'intuition d'une présence. Quelqu'un, il en était persuadé, se cachait dans les ténèbres. Là, tout près, comme le bruit d'une respiration haletante. Celle de quelque monstre qui aurait fait une longue course pour venir à la rencontre de l'enfant. Yann sentit la terreur l'envahir et il s'entendit répéter, les lèvres glacées, que c'était le vent seul qui, fatigué de souffler avec tant de fureur et de haine, venait mourir sur la lande. Une fois encore, il murmura, « C'est le vent, ce n'est que le vent. » Malgré le tumulte de la tempête, le garçon crut soudain distinguer comme un bruit de pas retenu. Un inconnu avançait lentement dans la nuit. Yann tendit l'oreille, il avait l'impression que sa tête allait éclater, qu'elle ne résisterait pas une seconde de plus. Quelqu'un, dans l'obscurité, le guettait, suivait chacun de ses mouvements. Il écouta un instant encore. Plus rien. Il scruta les ténèbres, regarda autour de lui, le cœur battant à tout rompre. Le vagabond serra les pans de sa cape en remontant le col comme pour se protéger et décida de revenir sur ses pas.
Il allait regagner la ferme dont il distinguait encore la pâle lueur dans le lointain et reprendrait sa marche le lendemain. Alors, Yann s'aperçut avec effroi que la mer atteignait déjà les premiers rochers qui bordent la plage. La marée avait recouvert la bande de sable qu'il avait empruntée pour venir jusque-là. Il était trop tard pour reculer. Il détourna son regard et le posa sur la falaise de granit qui surplombait la grève comme une muraille imprenable. Il savait bien qu'il lui était impossible d'escalader cette masse rocheuse en pleine nuit. La pluie dévalait la falaise et coulait sur les rochers comme un torrent de larmes. Yann, qu'une sourde angoisse tenaillait, se mit en devoir de poursuivre sa lente progression. Il en était sûr, quelqu'un se cachait dans les ténèbres. À un moment, il se dit que s'il voyait quelque chose, n'importe quoi, cela le rassurerait presque. Mais il avait beau fouiller la plage du regard, il ne voyait rien. Rien, sinon la masse de la falaise, les rochers plus sombres qui se devinaient dans l'obscurité et la vaste étendue de sable nu. Là-bas, l'écume des vagues. La nuit cachait des yeux qu'il ne pouvait distinguer, des mains prêtes à le happer. Les battements de son cœur résonnaient dans sa poitrine avec une netteté surprenante. Toc-toc, toc-toc. Son cœur battait si fort qu'il lui était impossible de respirer, de parler ou d'appeler. Soudain, un cri vrilla la nuit épaisse, couvrit le bruit des vagues contre les brisants. Yann s'arrêta, interdit. À nouveau, le cri déchira la nuit, jaillit de la mer, pour s'enfler en un appel déchirant. L'enfant sentit son sang se figer, tandis que sa bouche se séchait et qu'une sueur de glace ruisselait dans son dos. En un geste désespéré, il tenta en vain d'avancer l'oreille aux aguets. Mais il n'entendit plus que la plainte familière des cornes de brume. Un long gémissement, comme sorti de la gueule de quelque animal fabuleux caché derrière le rideau impénétrable de la nuit. Tout à coup, Yann resta là comme pétrifié, incapable de faire le moindre geste, tandis que venait toujours du rivage l'immense clameur qui lui glaçait le sang. Il trouva enfin la force de faire quelques pas et se blottit derrière un rocher. Une masse sombre, sortie de la mer, traversait la plage. Alors l'angoisse qui rongeait les nerfs du garçon se fit terreur poignante. C'était bien un cavalier, tout de noir vêtu, montant un coursier couleur de nuit qui venait de surgir des flots. Yann en avait la certitude, bien qu'il ne pût distinguer avec netteté la silhouette qui se déplaçait sur la plage. Et il crut bientôt voir scintiller les yeux du cheval comme une gerbe d'étoiles. Combien de temps resta-t-il ainsi, immobile, à suivre des yeux l'étrange va-et-vient qui se déroulait de la plage à la falaise? Jamais il ne sut le dire. Pas plus qu'il ne sut dire comment, peu à peu, sa terreur se changea en une sorte de fascination. Comme poussé par une force incontrôlée, Yann quitta sa cachette et fit quelques pas en avant. Il avait l'impression de n'être plus maître de lui-même. Était-il réellement sur cette plage? Faisait-il un rêve? Et il s'aperçut qu'il s'en allait à la rencontre du cavalier qui venait de la mer, celui dont il avait tant et tant entendu parler et dont nul jamais n'avait vu le visage. L'homme approchait et son cri de temps en temps éclatait dans la nuit. Le galop de son cheval martelait le sable en un grondement sourd, plus près, encore plus près. Bientôt, l'étrange équipage arriva sur Yann, qui fixa la tête du cavalier. Elle lui parut singulièrement ronde, comme coiffée d'une sorte de capuche noire. Écarquillant les yeux, il distingua enfin une pâleur irréelle, chercha avidement quelques traits humains.
Soudain, Yann sentit ses cheveux se dresser sous son bonnet, essaya en vain de résister au vertige qui l'envahissait et poussa un hurlement de terreur avant de se laisser tomber sur le sable. La tête qui se tournait vers lui n'avait pas de visage. Le cheval se cabra puis s'arrêta net. Le cavalier mit pied à terre et l'on n'entendit bientôt plus que le crissement du sable sous ses pas pesants, lancinant, menaçant. Une face livide se pencha enfin sur le garçon. Il la vit grossir démesurément tandis qu'elle se rapprochait de son propre visage. Elle était lisse, sans yeux, sans nez, sans bouche. Quelques algues ruisselantes d'eau s'y agrippaient encore. Bientôt, elle sembla occuper tout l'espace, toute la plage, la nuit tout entière. En un geste d'ultime défense, Yann se couvrit les yeux de ses mains glacées. Un rire amer éclata dans la nuit. Alors, le garçon se sentit sombrer dans un gouffre sans fond. Quand Yann rouvrit les yeux, déjà le jour naissait. La mer s'était retirée, la plage était déserte. Il essaya de se lever, mais il se sentit si faible que ses genoux se mirent à trembler. Il ne pouvait faire un geste. Une sourde angoisse l'étreignit. Qui passerait jamais sur la plage en ce matin d'hiver? Au loin, par-delà les dunes, il distinguait les mâts des chalutiers qui attendaient la marée haute pour quitter le port. Les pêcheurs devaient s'activer aux préparatifs. Il les imaginait sur le quai, raccommodant leurs filets. Il essaya d'appeler au secours, mais n'entendit pour toute réponse que l'écho de sa voix sur la falaise et le cri moqueur des mouettes. Désespéré, Yann se blottit dans sa houppelande. Et peu à peu, il sentit son corps se réchauffer lentement. Alors, un vague soupçon envahit son esprit tourmenté. Avait-il réellement vu un homme sans visage? Avait-il rencontré le cavalier qui terrorisait paysans et pêcheurs dans ce pays du bout du monde? Et quand un vieux matelot le découvrit enfin, Yann voulut lui conter la nuit d'épouvante qu'il avait vécue, mais il sentit une immense lassitude l'envahir. Il tenta encore quelques mots, puis renonça. Près de lui, des empreintes de sabots de cheval s'en allaient vers la mer. Depuis, personne n'a revu le cavalier ni sa mystérieuse monture. Peut-être parce que personne ne s'est hasardé sur la plage les nuits de grand vent. Si vous passez dans mon village, vous remarquerez peut-être un vieil homme qui prend le soleil devant sa petite maison de granit. C'est Yann. À moins que ce ne soit son fils. Ou le fils de son fils, ou... Cette histoire est si ancienne. Demandez-lui de vous parler du cavalier qui venait de la mer. Il ne se fera pas trop prier. Et lorsqu'il aura terminé, si quelqu'un vous dit que Yann avait tout simplement rêvé, ou qu'il avait tout au plus rencontré quelques contrebandiers au visage masqué, profitant de la marée haute pour faire son commerce, s'il vous dit que le cavalier poussait de grands cris pour terroriser paysans et pêcheurs et n'être pas dérangé, ne le croyez surtout pas. Allez plutôt sur la plage. Vous y verrez peut-être, à marée basse, des empreintes de sabots qui s'enfoncent dans les flots.